Le dictateur Denis Sassou Nguesso est sur le qui-vive. La peur a changé de camp. Le dictateur Denis Sassou Nguesso s'inquiète de plus en plus de la détérioration de la situation politique et des coups d'État à répétition sur le continent africain. Arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire en juin 1997, une prise de pouvoir par la force qui a coûté la vie à des milliers d'innocents. Le dictateur congolais mesure avec effroi les changements qui sont en train de s'opérer dans la sous-région et en Afrique. Denis Sassou Nguesso, vieillissant et malade, est conscient que son régime moribond est sur la sellette et dans le viseur de l'Occident, mais aussi de ses adversaires politiques qui ne supportent plus l'arrogance et le pillage des ressources financières du pays par sa famille biologique. Le Congo a été pris en otage par la famille Sassou Nguesso, qui a structurellement appauvri la population au détriment d'une minorité tribaliste. Lorsque le peuple souffre, les Nguesso boivent du champagne et dansent dans toutes les capitales du monde. Une attitude méprisante à l'égard des Congolais, soumis à un régime et à l'humiliation permanente. Un coup d'État militaire salutaire soutenu par l'étranger peut être une solution pour mettre un terme à la souffrance du peuple et à l'arrogance de cette famille qui n'hésite pas d'amaigrir le trésor public. Denis Sassou Nguesso, empereur Mboshi. Dans la vie comme en politique, la confiance a une date d'expiration.